Je m'appelle Thibaut Audouin, je suis installé en Mayenne depuis 5 ans. C'est à ce moment-là que j'ai mis en place le système herbagé sur la ferme. Aujourd'hui, il y a 60 hectares, dont 50 hectares en prairies multi-espèces, qui permettent de nourrir les vaches. Les vaches sont alimentées exclusivement à l'herbe, au pâturage le plus souvent, et quand l'herbe vient à manquer, elles ont du foin en complément. Et les 10 hectares restants sont cultivés en culture de vente, donc ce sont des mélanges céréaliers ou du blé. Voilà, ces cultures sont vendues et je garde la paille pour l'hiver pour les vaches. Gérard Grandin, je suis installé sur 56 hectares en production laitière biologique sur un système en toute herbe. Donc il n'y a absolument aucune culture. Les animaux sont en vélage groupé de printemps et pâturent au maximum. La mise à l'herbe se fait début février pour une rentrée mi-décembre. Et les trois quarts de la ration annuelle sont composés d'herbes pâturées. Les stocks proviennent de la fauche des excédents en foin ou en rubanage. L'objectif de ce système est de réduire le temps de travail au maximum et d'améliorer l'efficacité économique. Moi je m'appelle donc François Bérou, je travaille donc, je suis animateur formateur là, donc à la FOC de la Mayenne. Donc c'est une association là, qui s'est mise en place il y a une trentaine d'années. Et les agriculteurs qui ont mis ça en place, ils croient en ce qu'ils font, ils sont obligés aussi de chercher à droite à gauche, d'échanger avec d'autres agriculteurs. Ils sont très attachés à l'autonomie de décision. Je suis en monotraite depuis 3 ans, les vaches sont traites donc une seule fois par jour et elles produisent en moyenne depuis 3500 litres de lait par an, ce qui fait une production globale sur la ferme d'à peu près 175 000 litres de lait. Pourquoi un système herbagé? Donc, j'ai mis en place un système herbagé en agriculture biologique quand je me suis installé il y a 5 ans. D'abord pour une raison de goût, c'est-à-dire que je préfère voir les vaches pâturer plutôt que de les voir manger des ensilages de maïs par exemple. Je préfère aussi moi conduire mes vaches au pâturage que de faire du tracteur pour récolter le maïs. Les avantages du pâturage pour moi, c'est vraiment de minimiser les besoins de stock, donc de minimiser les coûts alimentaires et tous les coûts induits par les bâtiments, c'est-à-dire le paillage, la distribution du fourrage, le curage, l'épandage du fumier, etc. Plus les animaux sont au pâturage, plus ce sont eux qui font tous ces travaux-là, c'est-à-dire les travaux de récolte et d'épandage, ce qui permet d'avoir un coût alimentaire global sur l'exploitation inférieur à 20 euros les 1000 litres produits. Par exemple, il n'y a pas ou peu d'intrants, il n'y a pas d'engrais, pas de pesticides, moins de charges de mécanisation, moins de fuel, voilà, moins aussi de charges en bâtiment. Les vaches restent en bâtiment seulement deux mois dans l'année, nous pourrons dire, ce qui me permet d'avoir des bâtiments beaucoup moins sophistiqués que si elles y étaient la moitié de l'année. Donc pour la gestion de l'herbe, tout le parcellaire est découpé en petits paddocks. Les vaches laitières ont 42 paddocks sur 37 hectares, donc à peu près 80-90 ares, et échangent de paddocks chaque jour. Il y a en place sur la ferme ce qu'on appelle un pâturage tournant. Donc un pâturage tournant, c'est quoi ?
c'est qu'on a divisé la surface en herbe, donc les 50 hectares, on les a divisés en à peu près 50 paddocks de 1 hectare environ. Et le troupeau de vaches tourne sur chaque paddock, l'un après l'autre, en y restant, selon la saison, entre 2 et 4 jours. Pour savoir comment effectuer le changement, dans quel sens faire la rotation, l'herbe est mesurée avec un herbomètre. C'est un appareil qui permet de connaître, en faisant plusieurs points de mesure par parcelle, quelle quantité d'herbe disponible on a par paddock. Donc chaque jour, on met les animaux dans un nouveau paddock qui contient exactement la quantité d'herbe qu'ils vont avoir besoin pour la journée, pour 24 heures. L'avantage de ce système pâturant, c'est que ça permet à l'herbe de repousser entre chaque pâturage et on optimise ainsi la productivité de l'herbe. Ça nous permet de produire entre 6 et 8 tonnes de matière sèche d'herbe par hectare selon les années. Au printemps, il n'y a que la moitié des paddocks qui sont utilisés pour le pâturage, l'autre moitié est mise de côté pour la fauche d'excédent. Et puis l'été, tous les paddocks qui ont été fauchés sont réintégrés dans le circuit de pâturage parce que l'été, la pousse est au ralenti. L'objectif, c'est de vraiment caler la production laitière sur la pousse de l'herbe pour profiter au maximum du faible coût que l'herbe représente. Et l'agriculteur qui maîtrise quelque part ce qu'il fait, et alors qu'on est trop souvent, par ailleurs, l'agriculteur qui devient sous-traitant et qui applique des techniques, y a un technicien qui passe, qui ont fait une prescription, et puis il n'a plus qu'à appliquer. Le pâturage en quantité importante, c'est assez imbattable en termes de coûts. Comme le disent les papes du système herbager, là, avec la vache qui a la barre de coupe à l'avant et l'épandeur à l'arrière. Donc tout ça permet des coûts qui sont assez imbattables.